Yeah, pas tout le monde, bienvenue avec moi dans la compréhension de nos vies futures, je dirais presque science-fiction autour de nos tiers de confiance. Voilà, alors plutôt réalité, hein, voilà, parce qu'on s'aperçoit que la transformation du métier est en marche et quand on discute avec eux, on s'aperçoit que certains, pas tous, ont pris en considération ce qui est en train de se passer. Alors du coup, d'un point de vue particulier et utilisateur des services de tiers de confiance, voilà, j'essaie de comprendre en fait comment vont se transformer ces métiers, comment va être mon avocat dans 5, 10 ans, 20 ans ou 30 ans, et comment en fait l'ubérisation, donc voilà, je vous invite à aller voir mes castes pour essayer de comprendre qu'est-ce que l'ubérisation, mais comment l'ubérisation, notamment, voilà, c'est l'élément amorceur qui a influencé le levier de la transformation, mais il n'y a pas que l'ubérisation, le problème est complexe et il y a beaucoup d'influenceurs ou de modulateurs à prendre en considération autour de voilà, quel sens va prendre cette transformation. Donc, moi j'ai essayé de comprendre voilà, la transformation autour du métier d'avocat. Donc pour ce faire, je vais vous faire une présentation en trois parties. Ma première partie sera consacrée à comment l'avocat dit humain va se dématérialiser, notamment en plateforme juridique réglementaire, par des bots, des assistants virtuels ou voire même par des légales start-up. Voilà comment ils vont se transformer. Dans ma deuxième partie, je vais voir les changements autour de la prise en charge de la relation et les moyens de défense à côté qui vont devenir très efficients. Voilà, droit au but, j'ai tendance à dire. Voilà, souvent je vous invite à faire la distinction entre l'efficacité et l'efficience, comme si vous vous imaginiez une cible. Si vous êtes efficace, vous allez tirer 5 fois la flèche et la dernière va arriver au centre. Dans l'efficience, vous ne tirez qu'une fois. Mais quand vous allez tirer, elle arrive au centre. Vous êtes bon. Donc voilà, l'innovation, ça vise ça aussi. Donc on va remplacer les avocats par quoi ? Bah certainement des solutions dématérialisées plus efficientes. Donc ça va améliorer notre défense. C'est notre paragraphe 2. Et après, dans notre troisième partie, j'ai eu envie de faire un petit retour sur essayer de comprendre en fait qui seront et comment seront en fait nos nouveaux avocats dématérialisés. Mi-humain, mi-machine, semi-virtuel, point d'interrogation, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Allez, bon. Moi, sur ma feuille, j'ai noté bof. Donc, ça veut dire que mes notes griffonnées partout en gris ne sont pas top. Effectivement, je l'ai fait sous plusieurs jours, en plusieurs fois. Donc, voilà, allez, on va voir ce que ça va donner. Donc, je vous invite avec moi à essayer de comprendre la transformation autour du métier d'avocat. Donc, c'est tous les... En fait, je parle de l'avocat, mais ça, vous pourriez le transposer à tous les métiers réglementés, encadrés, on va dire libéraux. C'est applicable à tous les métiers. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pression et... Il y a une pression, en fait, qu'on va dire liée à l'innovation qui est en train de se mettre en place. Et là, en fait, le big data prend tout son sens, mais il prend tout son sens. Pourquoi ? Parce que l'innovation, aujourd'hui, associe l'intelligence artificielle, le deep learning, le machine learning. Voilà, on est en train de mettre en place des robots advisors, des robots hyper intelligents qui vont pouvoir intégrer plein de data pour nous donner la meilleure des solutions ou le meilleur produit final. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous sommes des êtres humains et que notre intelligence humaine est tout simplement limitée. Et peut-être qu'effectivement, on arrive à saturation. Donc parfois, c'est sujet à faire de grosses erreurs. Voilà, comme on est saturé et qu'il y a beaucoup de données à intégrer, eh ben, on est susceptible de faire des erreurs. Et en plus, on est overbooké et le temps va très vite et on en manque. Donc la transformation du métier, ça viendrait lieu, ça donnerait pour avantage en fait de donner plus de confort à l'avocat dans l'exercice de sa profession. Et puis ça vient soulager le consommateur, le particulier. Donc moi j'ai envie de dire que quand même, comment ce métier va se transformer, personne ne peut le prétendre, et certainement pas Yepa qui est juste quelqu'un d'un petit peu particulier, mais moi j'ai envie de dire qui vivra verra. C'est difficile d'anticiper, de savoir en fait quelle va être la balance entre les besoins, entre la notion de défiance vis-à-vis de ces tiers humains, la notion de défiance vis-à-vis de ces tiers en fait digitalisés, la confiance qu'on va leur apporter, également la qualité des solutions. Produits, services, est-ce que ça va vraiment répondre à des nouveaux besoins? Est-ce que l'innovation, voilà, va vraiment répondre de manière plus simple à des besoins? Voilà, est-ce qu'on va même par là
diminuer nos frais de gestion. Qui va également porter la responsabilité? Comment va agir le particulier et le consommateur au regard du fait que effectivement il fasse des économies en termes de frais de gestion, mais il porte plus de responsabilités? Donc moi je dirais que toutes ces balances, en fait, elles vont jouer indirectement. Et l'adoption collective, en fait, ce sera le levier de la transformation. Voilà. C'est plus, en fait, l'importance de l'adoption qui va jouer sur la force et la pression. C'est-à-dire que si tout le monde l'adopte, ben forcément, ça va encourager les gens à développer des solutions business autour voilà, de la transformation de ces métiers, tout simplement. Donc ça va pousser, je dirais, à la transformation des métiers libéraux et réglementaires. Alors moi je dirais que en fait là actuellement la transformation des métiers elle doit faire quoi? Bah, elle doit s'adapter aux problématiques nouvelles autour de la transformation dynamique et non forcément prévisible autour des changements sociaux également, économiques et des changements des cadres réglementaires légaux parce que ça aussi le big data augmente parce que vu que les situations se complexifient, il y a encore plus de réglementations, plus de cas de jurisprudence, donc parfois c'est difficile de tout maîtriser, donc on ne sait plus où on en est, et donc le fait d'utiliser des robots assistants, etc., ça va nous permettre de collecter et exploiter la data. Enfin, pas nous, ces robots. Et du coup, eux, ils vont venir compléter nos limites d'intelligence humaine. Voilà, c'est transposable à tous les domaines, mais effectivement, dans le cadre de cette présentation, on parlera de l'avocat, qui est un métier vraiment très très spécifique et qui demande en fait de maîtriser une base réglementaire qui est énorme et en plus de ça, d'effectuer une veille réglementaire très dynamique. Voilà, ce qui fait que ils perdent du temps, ils perdent beaucoup d'énergie à se tenir à jour et c'est du temps en moins passé avec le client. Donc ça diminue la qualité de la relation user first, c'est-à-dire client premier. Et peut-être que ça potentiellement explique un peu la défiance que on connaît actuellement vers ces professions. Donc on peut s'imaginer qu'avec l'innovation autour des métiers, la transformation des métiers, la confiance se réinstaure. Voilà, voilà. Donc cette pression, pourquoi on est en train d'envisager une transformation du métier? Je vous l'ai dit, une pression liée à l'innovation, la notion de big data, d'intelligence artificielle, de deep learning, de machine learning, de legal startup, de nouvelles techno, les fintech, le blockchain, la crypto, l'économie collaborative, participative, l'explosion du marché de particulier à particulier, etc., etc. Donc tout ça, forcément, ça pousse au changement du métier. Alors en un, on va essayer de comprendre comment l'avocat humain va se dématérialiser, voilà. Quelle est la notion de transformation par la mise en place de plateformes juridiques, réglementaires, des bots, assistants virtuels, etc. Comment on peut l'envisager? Et pourquoi on l'envisage? Donc vous avez compris, et voilà, moi ce que j'ai compris plutôt, pardon, c'est que le business model est autour du métier, en fait, il est notamment économique, business model économique du métier, il est en train de subir et il subit des pressions visant et poussant sa transformation. Alors personne ne peut, à mon sens, anticiper quel courant exact prendra cette notion de transformation. Elle va aller, à mon sens, elle va se mettre en place progressivement et séquentiellement. Enfin, c'est tout ce qu'on pourrait souhaiter, progressive et séquentielle. Pourquoi? Mais pour avoir le temps d'anticiper la gestion des risques et des opportunités autour de la gestion du métier et ne pas faire les choses complètement aveuglément en ne voyant que les opportunités. S'il y a opportunités, il y aura forcément des risques associés. Plus belles sont les opportunités, plus grands sont les risques associés de manière générale, même si c'est pas transposable systématiquement. Mais attention, on garde les yeux ouverts, on regarde dans le rétroviseur de la voiture. Alors moi je dirais qu'on pourrait imaginer en fait des plateformes où en fait vont être stockées les datas juridiques. Donc moi j'imagine un petit peu que voilà, ça va être une plateforme internet. Donc vous allez sur cette plateforme, vous la payez. Cette plateforme potentiellement elle sera spécialisée en fonction du besoin, impôts, monétaire, travail, code du commerce, etc. Donc vous allez payer votre plateforme, vous allez avoir l'accès, vous allez remplir la description de votre problématique et de votre besoin, vous allez rentrer dans des cases, oui, non. Vous aurez directement en fait cet assistant ou ce robot qui va donner la réponse directe grâce en fait à son intelligence artificielle qui va aller pomper dans le big data au regard de votre besoin. Voilà, si c'est le code monétaire et financier, ben peut-être que
Il va intégrer aussi les préconisations de l'AMF, il va peut-être intégrer aussi les préconisations de la CPR, de la Banque de France, du FMI, de la BCE, etc., etc. Donc il va être plus ou moins supra-intelligent, ce robot, et il vous donnera la meilleure des solutions au regard de la base réglementaire, ce que vous avez le droit de faire ou pas faire. Et puis en plus de ça, il pourra vous adjoindre en fait des préconisations et je vais dire les bonnes pratiques au regard de la gestion de votre risque. Donc normalement, ça devrait être top cool. Et combien ça va coûter? Ça aussi, c'est un problème. Voilà. Donc faut voir en fonction de la profondeur de l'expertise, de l'analyse et la technicité et de l'intelligence artificielle qu'il y a sous ce robot et cet assistant, forcément, on le payera plus ou moins cher. Donc vous allez obtenir votre réponse directement. Ça, c'est le cas de figure numéro 1. Vous passez par cette plateforme et là, une fois que vous avez rentré tous vos critères, vos données personnelles et vos éléments de problématique, votre petit assistant, il vous dit, veuillez consulter un avocat physique. Voilà, parce que vous ne rentrez pas dans les cases. Donc l'avantage, c'est que cette plateforme, en fait, elle va faire la sélection entre les problématiques récurrentes, celles qui se traitent facilement, oui, non. On va être conforme, pas conforme, ça rentre dans le cadre, ça rentre pas dans le cadre. Et si vous avez une problématique qui est persistante, on va vous inviter à aller consulter un avocat humain en face à face. Donc forcément, on comprend que le coût de gestion du tiers ne sera plus le même dans ce cas de figure. Vous allez certainement peut-être le payer plus cher puisque la solution qu'il va vous apporter sera plus personnalisée et individualisée. Donc voilà, lui, il va vous aider à transformer la gestion de vos risques en opportunité et à vous situer par rapport à la réglementation, comment elle a évolué, etc. Et quel plan d'action il convient de mettre en place pour que vous géreriez vos risques. Voilà. Allez, maintenant on bascule à la partie 2. Donc après avoir vu un peu voilà, comment l'avocat humain va se transformer en plateforme digitale automatique et comment lui va venir seconder potentiellement ces plateformes, on va s'intéresser plus à la prise en charge et aux moyens de défense. Moi, je dirais que vous l'avez compris dans cette deuxième partie, je l'ai déjà souligné, c'est qu'à mon sens, en fait, on a pris conscience de la limite, je dirais, de l'intelligence humaine. Voilà, autour de ces professions libérales, mais pas que. Nous-mêmes, en tant que particuliers, nous sommes limités. Malheureusement, je dirais, peut-être. Et aujourd'hui, voilà, la limite de l'intelligence humaine, elle va venir être complétée par de l'intelligence artificielle et notamment dans le cadre de ces professions libérales qui demandent beaucoup d'expertise au regard de leur spécialisation. Voilà, donc eux, ils vont pouvoir intégrer beaucoup plus de data, on va dire, réglementaire. Par conséquent, ils vont devenir normalement plus compétents et plus performants. Voilà, ils vont pousser l'analyse de leur. Enfin, la profondeur de leur analyse, puisque indirectement, ils vont être capables non pas de retenir toute la donnée réglementaire, ils vont avoir des outils pour la consulter. Voilà, c'est-à-dire que si vous utilisez en premier lieu une plateforme avec des assistants et des logiciels, vous allez utiliser des solutions potentiellement basiques, très simples, ça diminuera vos frais de gestion. Et dans la deuxième partie, quand vous mettez en place une prise en charge personnalisée avec le professionnel qui voit son métier transformé, et ben lui par exemple, au lieu de passer son temps à faire sa veille réglementaire active, il aura tout simplement à disposition une solution logicielle avec plus ou moins une profondeur de data réglementaire spécifique à son domaine d'expertise. Donc voilà, ce sera le deuxième palier de consultation. Et lui, l'avocat, il va pouvoir justement se décharger du fait de devoir mémoriser un petit peu tous ces cas de jurisprudence, etc., etc. Donc normalement, voilà, il devrait opérer plus vite. Tout simplement comment? En consultant ces bases de données et en faisant l'interrelation entre voilà, les bases de données et les problématiques à votre situation. Voilà. Et après, il a directement un plan d'action de ce qu'il convient de faire. Ça paraît simple, hein, mais non, non, c'est très compliqué et je ne peux pas vous confirmer effectivement l'exactitude de ce que je vous apprends. Enfin, de ce que j'avance. C'est pas dit que ça se passe comme ça, mais voilà, moi je le vois un petit peu comme ça. Donc du coup, ces avocats, en fait, ils vont arrêter de perdre beaucoup de temps et d'énergie, et du coup, ce temps, ils vont pouvoir vous le consacrer. Et ça va augmenter déjà d'une la profondeur de l'expertise, parce que justement, l'avocat, il va agir et prendre ses décisions de manière couplée à sa propre expérience, à sa propre mémoire, à ce qu'il aura retenu, appris, et il va pouvoir consulter également une base data juridique et réglementaire pour confirmer potentiellement ses choix et décisions ou approfondir la spécificité
efficacité de ses choix et ses décisions au regard des risques et opportunités en fonction de votre situation. Allez, j'arrête. Qu'est-ce que je papote? Alors, donc il va, ça c'est bien, on va pouvoir être remis au centre de la relation, moi j'irai user first, si on est client. Moi j'ai mis aussi, j'ai griffonné en gris que ouais, ça c'est plutôt pas mal parce que la profession, donc elle va augmenter ses compétences, elle va augmenter la capitalisation de ses expertises, elle devrait réduire ses frais de fonctionnement, ils devraient par là même, eux, côté, si on se met côté avocat, augmenter par tout ça leur marge. Donc si on se met côté particulier qui fait appel à l'avocat, il y a à mon sens plusieurs avantages. Si on se met côté avocat, eux aussi, ils ont pas mal d'avantages à voir leur métier se transformer. Déjà d'une, ils n'ont plus la veille à mettre en place. De deux, ils ont plus de temps pour leurs clients. Et de trois, ils ont une meilleure qualité de conseil, je dirais, justement, en se référant à leurs nouveaux outils d'intelligence artificielle qui vont les compléter. Alors, si ce métier il venait à être 100% dématérialisé, moi je dirais que la gestion des problématiques juridiques et réglementaires courantes, elle va se faire de manière on-off. Ces avocats, vous avez compris, ils devraient avoir plus de temps en fait pour vous secourir, vous aider, vous accompagner dans la gestion de vos situations les plus complexes ou celles qui nécessitent voilà, une prise en charge très personnalisée. Donc tout le monde, normalement, que ce soit particulier ou avocat, à mon sens, on devrait trouver du plus partout. Le risque majeur, moi je dirais, c'est le coût de ces solutions innovantes. Encore une fois, est-ce qu'on va tous pouvoir en disposer? Voilà. Opportunité côté avocat de la transformation de ces métiers. Moi j'ai mis moins de temps sur leur démarche administrative, plus de temps pour eux, moins de temps sur la veille réglementaire, plus de temps sur la relation client, moins d'erreurs humaines, augmenter progressivement leur marge, etc., etc. Allez, maintenant on bascule à la partie 3. Quels seront ou comment seront nos nouveaux avocats dématérialisés, mi-humain, mi-machine virtuelle? Alors, la limite actuellement, c'est le stockage énorme de la data juridique et réglementaire. Moi, je dirais, c'est qu'il y a de plus en plus de cas de figure. La réglementation se complexifie, ça alourdit. Il y a beaucoup de transpositions de textes, de lois, etc. Avant, ça prenait beaucoup de temps. Donc j'ai l'impression que maintenant justement ces avocats vont peut-être être plus à disposition pour réagir beaucoup plus vite, anticiper de manière beaucoup plus vite la réglementation et la transposer de façon plus vite. Pourquoi? Pour l'intégrer dans ces supra-plateformes d'intelligence artificielle autour de la réglementation. Donc on devrait aller beaucoup plus vite en termes de résolution de problématiques autour du changement juridique et réglementaire, et donc ça va répondre à l'augmentation de la complexité autour de la réglementation et comment elle évolue, et de façon justement à donner les meilleures solutions face aux besoins. Donc plus rapide, plus efficace, système on-off. On va même peut-être être suppléé par des nouveaux acteurs autour voilà, de la légale start-up. Voilà, donc avant on allait voir des tiers de confiance. Voilà, qui étaient ces professions libérales. Maintenant, on pourrait aller voir des startups spécialisées en légal. Voilà, eux, ils vont mettre sur le marché des bots, des assistants, des plateformes digitales dématérialisées avec plus ou moins des spécialisations données, plus ou moins spécialisation dans l'optimisation de nos impôts, la connaissance de nos impôts, le code monétaire, la fiscalité, voire même le droit du travail, le droit du commerce, le droit du patrimoine, etc., le code du commerce, etc., etc. Donc, il y aura plein de startups plus ou moins spécialisé avec un domaine d'expertise donné. Donc presque, ça va présupposer quoi? Peut-être même l'organisation, j'en sais rien, hein, c'est science ou fiction, c'est complètement farfelu ce que je vous dis. Mais on pourrait aussi imaginer l'organisation de professionnels du droit autour de grandes mutualisations. Et en fait, comme un centre d'appel et de gestion de secours médicalisé, c'est le soir, par exemple, votre enfant a un bobo, vous appelez un médecin conseil et il vous dit ce que vous avez à faire, s'il y a urgence ou pas urgence. S'il n'y a pas urgence, vous traitez le bobo de votre enfant vous-même. S'il y a vraiment urgence, tac, action. Et je vais voir des experts médicaux. Dans le domaine du droit, je verrais ça un peu pareil. On peut peut-être avoir des super plateformes
plateformes qui vont concentrer des professionnels du droit. Vous les appelez. Est-ce que votre problématique peut être traitée directement? Si elle ne peut pas être traitée directement, on vous transfère et on vous envoie vers des spécialistes. Donc voilà, pour faire simplement, je vous libère et je passe à la conclusion. Voilà, quid, qu'adviendra-t-il? Quelle transformation du métier d'avocat? Certains parlent de l'ubérisation des avocats, d'autres parlent de l'avocat 4.0. Voilà, aujourd'hui, il y a une pression à la transformation qui est certes mise en place. Il y a des profils et si vous allez autour, vous intéresser autour de la médiatisation, autour de d'avocats. Hein. Moi, j'adore consulter les avocats, voilà, avec un profil plutôt ancien, un profil plutôt jeune. Dans mes formations, j'ai travaillé avec beaucoup d'avocats au profil très jeune, donc je m'aperçois qu'il y a une grande différence dans l'approche de la transformation du métier également. Et je trouve que c'est très très intéressant, même si on a l'impression que les avocats plus jeunes qui sortent de l'école vont mieux adopter la transformation, et c'est assez surprenant et assez sympa de voir qu'il y a des avocats qui, eux, franchement, sont très très innovants. Et qui ont une belle double casquette parce qu'ils ont l'expérience traditionnelle et en plus de ça, comme ils sont très optimistes vis-à-vis du changement, en fait, ils anticipent le changement de réglementation et ils s'adaptent très bien. Et moi, je trouve que ça, eux, c'est une vraie qualité parce que quand on est entre le métier, je dirais, d'avocat traditionnel et entre le métier digital hein, d'avocat, je pense qu'on est capable d'avoir une sommation d'opportunités et de compétences et ça, c'est super intéressant. Voilà, mais c'est une valeur rare, ce type d'avocat. Mais il y en a quelques-uns, notamment. Voilà. Donc il y en a certains qui aiment se garder au goût du jour. Donc c'est pas forcément une notion de jeune avocat ou pas jeune avocat. Je dirais que c'est plus une notion tout simplement de personnalité, de curiosité. Puis si vous êtes un avocat qui arrivait à 2, 3 ans, 4 ans de la retraite, on peut tout à fait comprendre que vu l'énergie et le temps qu'il a passé sur son métier, il n'a pas forcément envie de se transformer et d'apprendre à se transformer puisqu'il arrive bientôt à la retraite. Donc il n'y a pas d'intérêt. Donc moi je vais dire que la transformation de ce métier aussi va dépendre d'un indicateur, d'un taux. En fait, ça va être départ à la retraite des anciens avocats sur arrivée des nouveaux avocats. Et voilà, est-ce qu'il y a plus de besoins au niveau du particulier dans sa position d'acteur traditionnel ou alors il y a plus de générations Y qui arrivent, il y a plus de digital natives et eux justement ils vont certainement pousser la transformation du métier puisque leurs besoins comparés à leurs parents ou leurs grands-parents n'étaient pas les mêmes. Donc il y a aussi l'aspect évolution tout simplement de la démographie qui pousse l'évolution des besoins. Par exemple, si on a plus de personnes âgées ou plus de personnes en retraite, voilà, les besoins ne vont pas être les mêmes. Donc etc. etc. Je pense que vous m'avez compris et l'idée de changement, ça repose sur quoi? La personnalité globale, l'adoption, optimisme, résistance au changement, les pessimistes, l'âge de la population, ceux qui vont formaliser le besoin. Donc moi je dirais qu'en fonction de là où on se place, c'est-à-dire côté particulier, côté professionnel, les répercussions de la transformation n'est pas la même. Et comme je vous l'ai dit, l'âge et l'habileté, je dirais même la sensibilisation aux nouvelles technologies, forcément on comprend qu'elle va influencer de loin la considération du passage comme positive ou négative de cette transformation. Et pour finir et conclure ce petit sujet, je dirais que la pression de la transformation autour du métier, elle tient lieu au niveau d'un champ lexical très large autour de l'innovation, de la digitalisation, de la numérisation, la notion d'économie collaborative, la notion d'économie participative, la notion d'ubérisation, de transformation, de digitalisation, l'avènement du blockchain, l'avènement des fintechs, l'avènement de l'innovation financière autour des crypto-monnaies, etc., etc. Il y a plein de choses. Je dirais qu'il y a d'autres facteurs également qui impulsent la transformation du métier, c'est la mise en place des legal start-up. Aujourd'hui, en fait, ces startups avant en fait n'avaient pas le droit d'entreprendre sur ces métiers qui étaient dits risqués. C'était le cadre par exemple des fintechs. Les fintechs avant, on n'a jamais vu un non-banquier créer une startup orientée banque. Donc on a vu qu'en France c'était possible. Ben, aujourd'hui dans le domaine légal c'est pareil. On va pouvoir potentiellement imaginer que quelqu'un de non-avocat avec des compétences et une expertise légale puisse imaginer en fait intégrer des solutions autour du droit. Pourquoi pas?
j'ai l'impression que ça peut venir. Et dans ce cas de figure, comment on gère les risques? Comment est-ce que quelqu'un qui crée une start-up légale et qui n'a pas évolué dans le droit va maîtriser purement les risques autour de ce métier? Donc voilà, allez, je vous laisse à votre propre réflexion sur le sujet et notamment au regard du sujet passionnant qui est la transformation des métiers de nos acteurs libéraux, de nos professions libérales et notamment dans ce cas de figure, le métier d'avocat. N'hésitez pas à nous faire part, vous, de voilà, comment est-ce que vous voyez la transformation de ce métier futur? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste, pessimiste ou est-ce qu'au contraire, vous préférez être résistant parce que vous avez peur potentiellement pour la transformation future de vos métiers à vous également? Donc faites-nous part de tous vos retours. Voilà, sur le sujet, je reste curieuse et je pense que la communauté reste également curieuse d'essayer de comprendre, voilà, pour mieux maîtriser nos risques. Allez, j'arrête de papoter, je vous dis à bientôt. En attendant, prenez soin de vous et encore une fois, je vous adore. Prenez soin de vous, voilà, à bientôt.